Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, que ce que nous bien fait sahad yalkoum. On se retrouve ensemble aujourd'hui encore une fois avec la radiologie, mais cette fois-ci avec la radiologie neurologique. Ou là, la neuroradiologie. Félicitations les cardio-tahoum. Les matl'ouhash, ma'alish inshallah. مازال كاين دي زونيتي مازال كاين دي موديول ان شاء الله تعوضوا ان شاء الله طلعوهم افيك دي تري بون موين. Alors, tout d'abord, on va commencer avec un rappel anatomique. La tête est formée du contenant et du contenu. كالبنا كيما le thorax, etc. كل حاجة فيها le contenant et le contenu. Le contenant, il y a le حاجة اللي راهي جايتني من برا, c'est les os du crâne, les os du face. Mais on parle surtout des os du crâne ici. Et le contenu, c'est où كاين الداخل. On a le cerveau, le cervelet, les méninges, les vaisseaux, les ventricules. On a deux ventricules latéraux, après le troisième et enfin le quatrième ventricule. Les deux ventricules latéraux et puis كاين le trou de Moro, bas de le V3. En bas de la cudique, en bas de le V4, et les principaux os, on a le frontal et on a l'occipital, les deux pariétaux et les deux temporaux. Les os sont réunis par les sutures. Les sutures, en gras, parce que on va qu'il y a une certaine lésion. Ils touchent ou là ils sont en contact avec ces sutures-là. Et en ce qui concerne la vascularisation, il y a qu'adna les deux carotides internes ou adna les deux artères vertébrales, qui vont assurer l'innervation, la vascularisation cérébrale. Les deux carotides internes en avant qui vont donner deux artères cérébrales antérieures et deux artères cérébrales moyennes, hadouma, ils vont assurer la vascularisation de la partie interne des hémisphères ou de les parties latérales. Par exemple, c'est ça le cerveau. Hna, c'est les parties internes. Et c'est principalement par l'artère cérébrale antérieure. Et les parties latéraux séparent la moyenne. Donc la moyenne. Pour ce qui est latéral, d'accord? Et ce qui est l'antérieur, pour ce qui est médial, d'accord? Et les deux artères vertébrales en postérieur qui se réunissent en formant le tronc basilaire, d'accord? Et qui va donner les deux artères cérébrales postérieures qui vont assurer, bien sûr, la vascularisation postérieure du cerveau. C'est assez facile, ce n'est qu'un rappel anatomique. Alors, on a le cerveau, donc pour les méninges qui vont recouvrir le cerveau, les djunabines, le cerveau et les os. On a trois. Ils sont classés de l'extérieur à l'intérieur. Adna la durmère. La durmère a deux feuillets, un feuillet externe, un feuillet interne. On a l'arachnoïde et on a la pimère qui est en contact avec le cerveau. Adna le liquide céphalo-rachidien ou la céphalo-spinal. Céphalo-spinal. Il va circuler au niveau des ventricules. Et au niveau des espaces sous-arachnoïdiens, d'accord? Au niveau des espaces sous-arachnoïdiens. Pour la durmère, les connards a deux couches ou la deux feuillets, rahnalqaw entre ces deux feuillets-là, les sinus, d'accord? Alors, tu connais la peau à l'extérieur, et puis, andna les os. Après, j'ai la durmère. La durmère, a dit, deux feuillets ou la deux couches. L'externe et l'interne, entre ces deux derniers, on va trouver les sinus. Après, on a l'arachnoïde. Et enfin, on a ce qui est en gris, c'est la pimère.
Alors, ils vont descendre en profondeur pour donner les cloisons, les sutures, etc. On a terminé avec le rappel anatomique. Maintenant, rappel radiologique. Alors, on a vu les différentes techniques d'exploration radiologique et les bases de chaque technique, et que je finirai en fil cardio. Ici, on a le même principe, sauf qu'on est au niveau du crâne et non pas le thorax. On est au niveau du cerveau. Alors, on a commencé avec l'examen le plus simple, c'est la radiographie standard, qui est un examen simple, on a dit, et on a un tube, le principe théorique, on a un tube à rayon X, circonal, filament tungstène, les chauffages, etc. Enfin, on a les rayons X qui vont pénétrer le corps humain. Ils vont donner des colorations sous forme d'échelle de gris, d'accord? Donc on va trouver ce qui est noir, ce qui est blanc, ce qui est gris, à l'exception de la densité des structures qui l'a traversée. En radiologie thoracique, qu'est-ce qui a de la technique, a de la radiographie standard? Parce que des fois, quand il y a le diagnostic, par exemple, qui connaît des épanchements, etc. Donc, il y a non. Mais, là, la neuro, ce n'est pas le cas. Parce qu'il est ignoré, on préfère utiliser le TDM. Il est ignoré parce qu'il donne des superpositions, vraiment des superpositions. Donc, on n'arrive à voir rien de détail. Voilà donc, comme vous voyez. Donc, de préférence, qu'on utilise les techniques découpe. Après la radiographie standard, on va voir le scanner ou là le TDM. Hadaya lui-même, il dépend des rayons X. C'est irradiant. La radiographie standard et le scanner sont des techniques irradiantes. Le reste, c'est-à-dire l'IRM, l'écho, c'est pas irradiant. On a un tunnel, comme vous voyez, que le patient devra passer et on a différentes atténuations. D'ailleurs, on parle des niveaux d'atténuation selon la structure. L'os, par exemple, il va apparaître blanc, donc on peut le dire opaque, il est dense. L'air, il va apparaître noir, donc c'est clair, c'est la clarté. On peut utiliser un produit de contraste iodé, mais on a des contre-indications. Oui, le produit de contraste. C'est généralement chez les personnes allergiques et chez les personnes qui ont une insuffisance rénale. D'accord? Donc, ils n'arriveront pas à éliminer le produit de contraste, l'erythrolum. Donc, de préférence, de ne pas utiliser ou la rendirouhulhom directement la dialyse, etc. On a le produit de contraste, mais chez Mendiro pour une meilleure visualisation des structures et des détails. Had le TDM, où on va l'utiliser en neuro, on va l'utiliser, c'est surtout pour l'exploration des traumatismes crâniens. Donc, c'est surtout pour ce qui est os. Donc, on a dit parce qu'il mieux visualise l'os. Et il est contre-indiqué, bien sûr, pour la femme enceinte, c'est surtout dans le premier trimestre, d'accord, pour éviter les malformations. Sauf en cas d'urgence, bien sûr, quand on a un œdème cérébral ou là, haja grave, on utilise la blouse à plombes pour diminuer les effets les rayons diffusantes. Mais, il surtout les traumatismes, ou il surtout l'os. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrive pas à explorer le parenchyme cérébral. D'accord? On peut l'utiliser en cas de contre-indication d'IRM. D'accord? Par exemple, il y a des régions où il ne fait pas l'IRM. Ou là, il y a des contre-indications. Par exemple, qui a placé pacemaker ou là, des implantations insuline, ce qui est ferrique, etc. Ce qui est métallique en général. C'est contre-indiqué de faire l'IRM. Donc, nous utilisons le bédil théâtre, qui est le scanner. Bien sûr, je la qualité ou la jouda qui m'a fait l'IRM, mais l'essentiel, nous avons le problème qui est le patient. D'accord?
كيفاش نقدر ندير هاد الحاجة؟ سي باسكو كاين دو فنتر ولا شغل دو تكنيك داخل هاد لا تكنيك، وحده تبين لنا سكي سيغي سكي اوسو، وحده تبين لنا سكي بارونشيماتو كوم فو فايي ايسي. داكور، دونك هنايا فوالا اون اريف ا فوار لي زو، اي ايسي اون اريف ا فوار لو بارونشيم. بيان سور سي با تري ديتايي، مي او موان باغ اكزومبل كي يكون عندنا ان هيماتوم اون اريف ا فوار اون بلاك كي اي هايبر دونس، سيتادير جينا بيضا نشوفوها. سي ميو كو ريان. الوغ لو سكانر نقدر نستعملو لحاجات وحد اخرين، قلنا ماشي غير لي زو، نقدر نستعملو تانيك لي فيسو. سي بار انجيكسيون دان برودوي دو كونتراست يودي بار فوا انترافينوز، دونك لا فين دو كو، لا فين دو كود ولا لا تاع لا فين فيمورال. داكور، ومن بعد عندي هاد لو برودوي دو كونتراست، بينما واش حيقعد غير في هذيك لا فين. داكور، راح يمشي في كاع لي فيسو، يمشي لي فيسو تاع لو سيرفو، اي دونك راح يبين لي لي فيسو ولا لا فاسكولاريزاسيون سيريبرال. وهاد لو سكانير لي كولوراسيون اللي راح نلقاوهم واش راح يبين لي؟ راح يبين لي لو ليكيد سيريبروسبينال en noir. Comme vous voyez ici les ventricules en noir. Ce qui est os et calcification, les os et les calcifications anatomiques. Voilà, c'est la boîte crânienne ici. Ikono en blanc et le sang en blanc. D'accord. Donc le liquide ibin voulait en noir, les calcifications et les os en blanc. Donc ما تبدلوش كيما في ال ما تبدلوش كيما في ال تاع لو توراكس. Et le sang en blanc. كيفاش تشوفوا عليها هذه le sang en blanc؟ كيما قلت لكم مقبله، كي تكون عندنا يكون عندنا ان هيماتوم داكور ولا اون ماس هنايا، راح تبان لي هايبر دونس، دونك تبان لي بيضه. الوغ كملنا avec le scanner، دوكا راح نشوفوا لي ار ام. L'IRM, c'est la propagation des ondes magnétiques. C'est une technique non irradiante. Mais non irradiante, mais chez Kima, le scanner et le tube à rayon X, ou la radiographie standard. Il est très important pour l'exploration nerveuse. Allez-je parce que c'est très détaillé, d'accord? L'IRM, c'est vrai que well et tout, mais il va donner trop de détails. Donc, il se tient avec le clairaudo. Il peut même visualiser les vaisseaux et son utilisation de produits de contraste. D'accord? Donc, هذا دليل على انه c'est على انه يعطي لي كاليتي مليحه و c'est très performant que le scanner. Mais il est contre-indiqué on a devant tout produit métallique, pacemaker, etc. هذا l'IRM باش معروف معروف انه عنده شحال من séquences. D'accord? كل وحدة علي من راح تركز لي وش راح تبين لي بلون وش راح تبين لي نوار. On va commencer avec la T2. علاش بديت ب T2؟ باسكو هي اللي راح تبين لنا لو ليكيد سيريبرو سبينال اون بلون. داكور، دونك حتعطيني ان هايبر سينيال تاع لو ليكيد. كي نشوف لي فونتريكول كوم فو فايي ايسي، لي فونتريكول يبانو لي بلون، سي ان هايبر سينيال. اش فاو عليها؟ La T2 va donner un hypersignal pour les liquides. Donc, qui tu fais un cliché, ou bien vous allez trouver le liquide cérébro-spinal en blanc, vous savez que c'est la séquence T2. On a la séquence T1, l'axe T1, en noir. D'accord? Donc, le liquide, les ventricules, en noir. Hadi, elle va donner un hypersignal pour la graisse. D'accord? Donc, quand la graisse, par exemple, une graisse qu'on la périphérie, elle est en blanc. Donc, hyper signal. Et on a une autre séquence. C'est ce qu'on appelle la séquence flair. Cette séquence a le même principe que la T2. D'accord? C'est-à-dire, on a les os qui mal le scanner ou la tube T2. D'accord? Sauf que
الداخل لي فونتريكول راح يبانوا لي اون نوار داكور حيبانوا لي اون نوار هذا واش حيكون فرق مي كي يكون عندي ان اوتر ليكيد ولا اون ماس داكور باغ اكزومبل اون ماس تيمورال راح تبينها لي اون هايبر سينيال داكور دونك غادي نقراو شويه قلنا الا لو ميم برينسيپ كو تي 2 مي ال فا مونتري لو ليكيد سيفال مقبليه لي سيريبرو سبينال ولا elle va le montrer en noir et non pas en blanc. Mais cependant, elle a un but. C'est que s'il y a un autre liquide qui est accumulé et qui ne bouge pas, donc c'est pathologique, pas physiologique. Parce que les liquides physiologiques, ils ont, ils circulent, le sang circule, le liquide cérébrospinal circule. كي يكون حاجة pathologique هي اللي حتجي لك une masse وتقعد في بلاصتها ما تزغوتش اي بان heureusement هادي هي la flair هاد لا تكنيك هي اللي راح تمد لنا لو دياغنوستيك تاع هاد لا ماس كي تشوف كاين ليكيد او حابس في بلاصتو حتعطي ايبر سينيال تاع هاد لو ليكيد سيتادير كو باينه راه كاينه حاجه انورمال اي دونك elle montre les lésions par un schématiste très bien. Et enfin, on fait une séquence qu'on appelle séquence diffusion, d'accord? La flair, c'est surtout pour les lésions parenchymateuses, tumeurs ou là. La séquence diffusion, c'est pour l'AVC ischémique, diffusion. Donc, c'est à l'exception le sang ischémique, mais cache le sang hyper aigu. Hadia est sans utilisation de produits de contraste, d'accord? Produit de contraste qui est utilisé en IRM, c'est le gadolinium. Hadi la séquence diffusion, même injecté, je suis même pas un produit de contraste, ça va donner le résultat, d'accord? Et je dois les techniques, les kits qu'on kaina, une tumeur ou là une masse, ça risque d'indiquer un hypersignal. Mais par contre, kits qu'on indique une ischémie, ça risque d'indiquer un hyposignal, d'accord? Maintenant, on va passer au Doppler. Qui va utiliser la propagation des ondes sonores. C'est l'écho. D'accord ? Hanaya, juste, habite ndel comme un petit rappel sur ce qui est échogène, hyper-échogène, etc. Alors, on va commencer avec ce qui est anéchogène. Anéchogène, maintenant, il ne renvoie pas les ultrasons, maintenant, il est en noir. D'accord ? C'est les liquides. Les liquides qui chauffent les échos. كي نشوفوهم بليكو حيبانوا لي كحوله معناتها انه رونفوا با دونك سي ان ايكوجين سكي هيبر ايكوجين لي بان لي اون بلون سي لوس اي لير و بيناتهم سكي ايكوجين سكي فا اباريتر اون غري سي لي زورغان بلان داكور ان ايكوجين ما يعاودش يبعث دونك يبان نوار سي لي ليكيد هيبر ايكوجين سي بلون اوس اير Écogène, donc l'hygiébinatome, c'est ce qui est en gris, c'est les organes pleins. Had le Doppler, c'est surtout pour les ischémies. Maintenant, on va introduire une nouvelle technique. C'est ce qu'on appelle l'angiographie ou l'artériographie. C'est mieux que l'angioscanner, d'accord? Parce que c'est non invasif. On introduit directement l'angioscanner qu'on a introduit flavène et on utilise un produit donc produit de contraste d'iroflavène. Hanaya on va cibler directement l'artère, d'accord? C'est au niveau artériel, par exemple artère fémorale. Elle est utilisée pour un but diagnostique mais aussi thérapeutique. Alors kemmelna ma al hajat li na'rfouhom bzaf. Maintenant, on va entrer avec ce qui est pathologique, ce qui est pathologie cérébrale. On va introduire le thème d'hématome. Hématome, donc c'est l'accumulation du sang. Qu'est-ce que deux hématomes? Qu'est-ce que l'extradural ou qu'est-ce que le sous-dural? Dural, c'est par rapport à la dure-mère. Extradural, donc c'est entre la dure-mère, c'est le feuillet externe de la dure-mère et les os. Et sous-dural, c'est sous le feuillet interne de la dure-mère et l'arachnoïde. D'accord? Alors, on va commencer avec l'extradural, c'est l'accumulation du sang qu'on a entre la dure-mère et l'os. Hadaya, donc, tout le monde a une forme.
l'extra dural اللي جاي برا حيعطيني اون لونتي بي كونفكس. D'accord? Alors, Raoulik, il va donner une lentille biconvexe. Donc, c'est comme si un citron. Raoulik, lentille biconvexe. Il apparaît hyper dense. D'accord? Quand on a une masse, le son, il est hyper dense. Il refoule les sinus veineux. Hadiesh douhatani, qui connaît un extra dural. راح يطبع لك لي سينوس فينو علاش باسكو سون ايلي بري دو لوي داكور جاي قريب لي سينوس فينو دونك راح يطبعهم هو جاي اونتر لو فوي انترن اي اكسترن دو لا دورمير هاد لي سينوس فينو وهو راهو برا على لا دورمير دونك قراب ليه مي اي نو توش با لي سوتور داكور لي سوتور سون ان بو بلو بروفوند ان بو بلو لوان كو لوي دونك ماشي يتوشيهم راح يتوشي غير لو سينوس اللي راهو قدامو مي بار كونتر ليماتوم سو دورال سي لانفيرس ليماتوم سو دورال اللي جاي لتحت دونك تحت لا دورمير اي قبل لاراكنويد هذايا يل فا توشي لي سوتور مي يل فا با توشي لي سينوس باسكو جايين بعاد عليه داكور وهذا لا فورم اللي راح تكون عنده راح تكون عنده اون فورم كونكاف داكور راح تكون عنده اون فورم كونكاف للداخل هايليك كونكاف سي سا ولا اون فورم دو كرواسون داكور alors c'est ça les différences entre les deux داكور لا ديفيرونس في البلاصه اللي راح يكونوا فيها واحد برا على لا دورمير دونك اونتر دورمير اي اوس الاخر تحت لا دورمير بينها وبين لاراكنويد واحد تكون عنده اون فورم دونك ليكسترا دورال اون فورم بي كونفكس لونتي بي كونفكس ou l'autre le sous dural il va avoir une forme concave ou la sous forme de croissant d'accord et ce qui est extra dural il va toucher les sinus mais il ne touche pas les sutures parce que بعد عليه alors que ce qui est intra ce qui est sous dural il va toucher les sutures mais il ne touche pas le sinus. Hadi à l'AVC ischémique par la technique de diffusion, d'accord. La technique de diffusion, elle a bien hyper densité la région ischémique, d'accord. Mais sinon, si on va utiliser l'IRM d'autres séquences, ma hache a tonni une hyper densité. Hadi à kirahi spécifique taha, d'accord. Les a tenu une hyper densité. Comme sinon, tu benek hypodense ou la masse. Tumorale ou là, t'es ben lec hyper dense. Alors, scanner, on a dit pour ce qui est traumatisme, IRM atteinte par enchymateuse, ischémie par séquence de diffusion, tumeur par flair, d'accord. Angiographie, c'est pour les atteintes des vaisseaux. Voilà donc la différence entre AVC hémorragique et ischémique. D'accord. Donc, quand on a hémorragie, donc le sang, il va donner un hypersignal. D'accord. Donc, ben les en blanc. Et ischémique, donc ma cache le sang, l'extérieur le blanc, il ben les en noir. Alors maintenant, on va voir quelques CM. Alors, la radiographie standard du crâne est un examen. Cochez la réponse juste, la radiographie standard, donc c'est le premier examen. Est-ce qu'elle est indispensable dans l'exploration de traumatisme crânien? Non, on a dit l'exploration de traumatisme crânien, c'est bon, le scanner. Elle permet une meilleure analyse des tumeurs cérébrales? Non. Utile dans l'exploration de la pathologie des sinus de la face? Non, on a dit la radiographie standard. Inutile dans l'exploration de contenu de la boîte crânienne. Oui, elle est inutile. C'est surtout qu'on a le contenu, mais je ne sais même pas le contenant, c'est-à-dire je ne sais même pas l'os. Donc elle est inutile, donc c'est la réponse juste. Et le meilleur examen dans l'exploration des lésions de la base du crâne. Non, ce n'est pas le meilleur examen. Alors, c'est la réponse D. Passons à une autre question.
Le scanner ou la tomodensitométrie crânio-encéphalique est un examen? La réponse fausse. Le scanner. Indispensable dans l'exploration du traumatisme crânien? Oui. Le scanner, le principal rôle tu c'est qu'il explore les traumatismes. Il utilise les rayons X? Oui. Au scanner, l'accident vasculaire hémorragique apparaît sous la forme d'une hypodensité. Ah, je vois ici, hypodensité. Donc, il faut bien t'arkzoum al kilmat. Il va donner une hyperdensité, d'accord? C'est hémorragique. Hypodensité, c'est pour l'ischémie. C'est avec le schéma, c'est avec le... Oui, le schéma, les chevenets d'Oka. Il détecte les hématomes intra- et extra-parenchymateux, oui, le scanner. Il permet l'analyse de la vascularisation cérébrale grâce à l'injection de produits de contraste iodés, oui, c'est juste. Alors la réponse fausse, c'est la C. Voilà, donc, on a donné la différence spinatome. Alors, le scanner ou la tomodensitométrie est un examen indispensable dans l'exploration de traumatisme crânien. Oui. Il utilise les rayons X. Oui. Il détecte les hématomes intra- et extra-parenchymateux. Oui. Il permet l'analyse de la vascularisation cérébrale grâce à l'injection de produits de contraste iodés. Oui. Alors, toutes les réponses sont justes. Voilà, donc on a terminé. Normalement, la vidéo m'a dit que là. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Inch'Allah, Inch'Allah, partagez avec vous ce que j'ai compris. Et bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez fait de Allah, si vous avez fait de moi, si vous avez fait de moi, bon courage à tous. Wassalamu alaikum.